Si est un jour bien sombre pour Miossec. Alors que la musicien s'apprêtait à remonter sur scène pour une tournée déjà reportée en raison de soucis de santé, le voilà contraint de tout annuler, les traitements contre le cancer l'ayant beaucoup éprouvé. Les fans avaient sûrement déjà leur billet depuis très longtemps. Mais ils vont devoir se les faire rembourser. Christophe Miossec, dont une tournée était prévue l'année prochaine, vient d'annoncer sur son compte Facebook, ce jeudi 19 octobre, qu'elle n'aurait finalement pas lieu, temps très nuageux, annoncé. Si est avec beaucoup de tristesse, et autant d'amertume, que je dois renoncer à la tournée 2024. En septembre dernier pourtant, Miossec partageait une annonce qui avait fait éclater de joie les nombreux fans du musicien, la guérison de son cancer des cordes vocales. Mais si la maladie a décidé de le laisser tranquille, les traitements qui ont permis de l'éradiquer lui ont malheureusement fait plus de mal que prévu, si les cordes vocales sont guéries, elles restent abîmées par les séances de rayons. Elles ont encore besoin de temps avant de pouvoir tenir tout un concert. Si est ce qui ressort des dernières observations faites à l'hôpital Morvan de Brest a-t-il précisé dans son message. L'artiste de 58 ans a présenté des excuses à son public, remerciant au passage toutes les personnes ayant permis la programmation de cette tournée, « Je suis profondément désolé pour tous les ennuis occasionnés. Point, je n'aurais jamais cru écrire, un jour, une phrase pareille, merci de vous rapprocher des billetteries pour connaître les modalités de remboursement. » Renoncer à sa raison de vivre après presque une vie de tournée à sillonner les routes, Miossec l'admet. Prendre la décision d'arrêter est une terrible épreuve, pas évident de faire une croix, après 30 ans de tournée, à ce qui est, je m'en rends compte, une raison d'être. D'autant plus que Miossec comptait sur la tournée pour présenter son dernier album, Simplifié. De quoi faire broyer du noir à Christophe Miossec, tout est bleu, quand le noir s'en va, mais pour l'instant, le noir est là. Je vous dis, quand reviendra, un jour, oui, l'éclaircie. Espérons qu'elle ne tarde pas trop à percer les nuages.